Café. Mon café est brûlant. Un très bon café. Là, c'est un restant de café américain et de café canadien. J'ai mélangé ensemble. Oh my God! J'ai mélangé du Folgers avec du Starbucks. Mais là, je me suis acheté un café québécois. Je me suis gâté. C'est plus cher, un café québécois. Kickinghorse Coffee 454. Pow! Je l'ai goûté hier. Ça goûte bon. Ouais. Bon. Ici, une pierre coupée en deux, qui était comme ça. Je vais en faire deux cabochons. Alors, pour ce faire, je vais couper ici. Couper ici, bien droit. Puis ensuite, je vais arrondir le côté qui est sur ce bord-là. Pour qu'il soit arrondi. Et puis ensuite, je vais rendre ici plus symétrique. La forme plus symétrique. Ici, une pierre coupée en deux, qui était comme ça. Je vais en faire. Alors, pour ce faire, je vais couper ici. Couper ici, bien droit. Puis ensuite, je vais arrondir le côté que sur ce bord-là. Pour qu'il soit arrondi. Je vais rendre ici plus symétrique. La forme plus symétrique. Dessus, il est tranché. Maintenant, je vais arrondir les côtés, les adoucir. Aussi aller avec un crayon, faire la mesure jusqu'où qu'on veut l'adoucir.
tranquillement, pas vite. Je fais une rondeur. Le dessous va rester plat. Là, je suis rendu dans la partie qui est fun à faire. C'est de tout lisser. Ici, il y a une petite craque jaune. C'est un jasper quartz. Assez dur. Mais il y a des parties friables. Alors, quand je l'ai coupé aussi, ça a fait plusieurs petits morceaux. Il n'était pas facile à trancher. Vu qu'il y avait des duretés variées dedans. Alors ici, il a été lissé. L'extérieur va être lissé comme l'intérieur ici. C'est une pierre toute unie. Je pourrais la mettre au tumbler pour l'adoucir. Alors lui, même chose. Je vais venir gratter le tour. Ici, je vais en enlever un peu parce qu'il est beaucoup trop large. Ici, on voit que c'est plus usé, rugueux, alors ça va être coupé. Probablement que ce cabochon-là va être un plus petit que lui. Même si la pierre est tranchée bien au centre, c'est une pierre, alors ça peut être plus petit que lui. Si je veux que ce soit égal, ben lui, je vais le rapetisser aussi. Maintenant, je travaille lui. Je viens enlever le grossier. C'est toute l'angle, là. Il est tranché en deux. Alors, toute l'angle ici, je viens le casser avec le bord de l'angle. Tout le couper. Le plus long à faire, c'est de trancher la pierre en deux. Cette pierre-là n'avait pas été roulée, c'est une pierre de rivière. Si ça avait été déjà un peu formé à cause de la rivière, mais ça peut être aussi une pierre de tumbler qui est déjà assez formée. Ma pierre dans tous les sens. On voit ici qu'elle est plus large. Il faut qu'elle soit adoucie. Ici, une petite craque jaune. Ici aussi, il faut adoucir là puis là. Thank you.
Une fois que j'ai sablé avec la pierre à sabler, j'aurais pu changer les sortes de pierres à sabler en mettre une rose pour que ce soit plus fin. Mais plutôt, j'ai utilisé mes papiers sablés puis une planche. Et j'ai utilisé du 220. Ensuite, même j'aurais pu prendre plus rugueux que ça parce que j'avais encore des défauts. Alors, j'ai utilisé du 220. Ensuite, du 600. Ensuite, j'utilise du 800, puis du 1000 cake. Alors, je les mets sur une planche comme ça. Et là, je frotte comme ça. Si on fait vraiment les choses dans la bonne étape, je commence par lui, toujours le plus rugueux, au plus fin. Si on le fait dans la bonne étape, puis qu'on a bien travaillé notre pierre, c'est pas si long que ça. Ça, c'est quand on n'a pas de machine à sabler. Si on a une machine à sabler, on va utiliser la même sorte de méthode avec les outils. On va changer les étapes. Tu vois, là, j'ai juste fait le milieu à peu près de cette pierre-là, là. On va pouvoir voir que, regarde, on a un lustre au milieu. Alors, voici le résultat. Là, il y a des craques qui ne sont pas parfaites. J'aurais pu les tailler plus que ça. J'ai eu des difficultés ici. C'était trop plat, celui de dessus. Il a fallu que je les rendisse aussi comme il faut. Mais, on voit beaucoup mieux... La beauté de la pierre, c'est comme un jaspeur fleuri. Regarde ça, c'est joli. Alors, ça aurait pu être de l'agate fleur, mais c'est du quartz. Alors, on peut l'appeler quartz fleur, si on veut. On voit vraiment des dessins de branches, de fleurs, de verdure. La partie rose est très tendre et on a de la péridote. Des petits cristaux, des petites parties plus fuchsia à certains endroits. Donc, il y a aussi le rose, c'est calcaire. C'est comme de la craie rose. Alors, j'aurais pas pu le mettre dans le vinaigre pour le nettoyer, ni le mettre au tumbler. Lui, c'est la partie qui était très rude. J'aurais pu la tailler plus aussi. Ici, on avait encore des petites craques. Quand je l'ai taillé, on dirait que je le voyais pas. C'est ensuite, quand on polie, là, tous les petits défauts vont ressortir. Alors, j'aurais pu aussi retourner sur la lame puis retravailler, mais
Sinon, c'est à peu près comme ça qu'on fait les cabochons. Ben, c'est comme ça, c'est pas à peu près, là. C'est comme ça, mais en prenant bien son temps de bien faire la forme à la lame et d'essayer de... Tu vois, les craques, ben, faut sabler un peu plus dessus, là. Ça peut aider à faire qu'elle va être moins visible, là, et creuse un peu. Je pourrais utiliser aussi du fibre de verre pour remplir les craques. Puis ensuite venir le sabler. Il y a certaines pierres qui peuvent aussi être chauffées, mais j'oserais pas chauffer celle-là. J'aurais peur un peu. Il y en a qui ça va les embellir de les chauffer, d'autres non. Oublie pas ton like. Abonne-toi si tu connaissais pas ma chaîne. Après-midi, s'il continue à faire pas beau, je vais faire le live. Aujourd'hui, ça va être... Ben, c'est toujours un live sur... Je vous montre toute ma collection de pierres. Et là, on va s'attarder sur un gros panier que j'ai de pierres qui ont passé au tumbler pour la plupart. Et il y a des petits ajouts assez intéressants d'une commande que j'ai faite. Alors, on va dans... Le live va être dans quoi? Je prends mon café, je me réveille tranquillement. Disons dans... Je vais faire du ménage un peu. Disons dans 2-3 heures, peut-être un petit peu avant, à surveiller pour ceux qui s'intéressent. Il va y avoir un live. Demain, il devrait faire plus beau. Là, il pleut pour ça. C'est de la boîte dehors, c'est froid. Demain, s'il fait beau... Je vais sûrement me faire une sortie que vous allez voir la semaine prochaine. Ça va être une sortie pour poser la caméra, reposer la caméra, en espérant que je me rends bien dans le bois. La neige n'est pas fondue encore en forêt. Mais c'est cela, peut-être un petit rock-handing, un plus gros que la dernière fois. Ouais, ça va dépendre aussi si le sol est gelé ou pas, il y a encore des gels. Je n'ai pas encore été dehors pour voir, mais il annonçait un mélange de pluie et de neige, alors... À plus et merci d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite de faire des magnifiques cabochons et de trouver des roches extraordinaires qui vont te plaire. C'est sûr que tu vas en trouver de toute façon. Tout le monde en trouve. Il suffit d'être patient et de sortir souvent faire des prospections. Même si tu récupères à peu près 4 ou 5 roches, c'est correct. Si tu fais ça une fois par semaine, tu vas voir comment tu vas avoir une méchante grosse collection comme moi. Et c'est tout de même un bon sideline à avoir parce que ça se vend, ça, tu peux faire toutes sortes de choses avec ça, de la sculpture, des bijoux, des... Même si certains outils parfois coûtent cher, c'est bien, ça peut se rentabiliser en revendant ce que tu crées. Allez, salut, à bientôt! Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne votre petit bonus bloopers coupé. Ouais, ils commandent le café du Mexique, puis après ça, ils font griller à leur goût. Et là, pourquoi je fais dans le frigidaire? Ok, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Faut que j'ouvre le tumbler, alors faut que je fouille dans ceci. La partie rose est très tendre et on a de l'épidolie, de la péridote. Abonne-toi.